notre président au niveau local et monsieur Alphonse. Qui est présent parmi nous, qui va devoir aussi s'adresser à nos soeurs pour les féliciter au nom des femmes, au nom des hommes de la RESCA. Parce que cette journée est la vôtre, mais nous en faisons mienne pour véritablement vous célébrer. Nous avons aussi des invités parmi nous qui ne s'expriment ni en français ni en wolof. Nous avons besoin de faire une toute petite introduction et mon frère Yves Avounou va devoir m'aider à cela. Merci Yves, à toi le micro. Ladies and gentlemen, good evening. I hope everybody is doing good. Can I hear some noise for all the ladies, please? Oh yes, that was very low. Can I hear some noise for all the ladies? Tonight is a special day. We have to celebrate all the ladies. So make some noise if you like here. To be here for the ladies. Thank you. We just want to say thank you to everybody for coming and supporting. So we're going to invite the president, Mr. Alphonse Baxen, to come and make a little speech for the region. Please welcome Alphonse. Good evening, everybody. First of all, I apologize for my little voice, a little hoarse, due to a little traveling tonight, so I apologize for that. We'll start by saying His Excellency Ambassador for being here. Madam Peter Pujari, thank you and your delegation to be here. I appreciate you guys. I appreciate all the foundations that are here, the Internet Foundation, and all the members that are here. It's a pleasure. Ifeyin Wabuku and the AWCA women, thank you for coming. I really appreciate you guys. Last Sunday, March 1st, 2015, Africa and Senegal in general, but the region of Casamance in particular, were saddened by the loss of the only daughter of Queen Aline Sitoe Jatta. Yesterday, the village of Kabos gathered in sorrow to say goodbye to Nyalis Jatta, their princess that has come home to rest. Please join me in observing a minute of silence in honor of our sister, mother, aunt, Nawaz. Thank you. Qui a bienvenu, nous honorer pour rendre hommage aux femmes de la diaspora, ainsi que la marraine, Luc de Boudiabi, et notre cher invité d'honneur, Monsieur Mone Boudiabi. La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année dans de nombreux pays à travers le monde. Elle est l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par des femmes ordinaires. Je vais parler de Téléma et ensuite je vais parler de Aline Sitoe Jatta. Je ne fais pas trop long. Ces femmes ont contribué dans le monde de façon extraordinaire. Si on prend l'exemple sur la maman de Souliata Keita qui est Sorolo Kidjou, l'histoire nous explique que cette femme qui a mis au monde un enfant qui a délivré l'empire du Manin de la tyrannie de Soumaoro Kanté. Donc elle vient d'une femme. Elle vient d'une femme du nom de Sorolo Kidjou. Donc grâce à cette femme, l'histoire a connu Souliata Keita. La deuxième femme que je vais référer ici aujourd'hui s'appelle Nana Kribon. C'est la demi-sœur de Souliata Keita.
qui a donné le secret à Sonia Takeda pour essayer de lutter contre ce mot canté pour finir la tyrannie qui existait dans le Biomanet. Donc, partout où il y a action, il y a bonheur, il y a la paix, les femmes ont été venues. Et je prends l'autre maintenant, c'est ma grand-mère, elle s'appelle Sirandi Sani. C'est la femme qui a été épousée par Tinamana, le guerrier de Sonia Takeda qui est venu pour faire la conquête du roi de Tchof et qui a marié cette femme qui s'appelle Sirandi Sani. Et de cette union est née une autre fille qui s'appelle Tenemba. Et Tenemba qui a été à l'origine de l'histoire du Kabou, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Kabou aujourd'hui, si on parle que la famille Sané est la famille non elle est manée du Kabou, c'est grâce à ce Tenemba, ce qu'elle a fait. Donc c'est pour vous dire que l'histoire nous a montré que dans la vie du monde, la vie des hommes, elles ont toujours été présentes et ils ont modifié le monde. La dernière à qui j'ai fait référence, c'est Alice Citoyen Yata. Alice Citoyen Yata, un seul exemple suffit dans sa vie. Quand les colons ont, par erreur, assassiné sa co-épouse parce qu'on pensait qu'ils avaient tué Alice Citoyen, quand elle a su ça, Alice Citoyen s'est rendu volontaire pour éviter le massacre de son peuple aux colons pour vivre. Donc cette action de sacrifice pour une femme de cette nature, c'est une action à saluer. Donc vous les femmes, ce que je peux vous dire, c'est que sans vous, nous ne sommes absolument rien. On compte sur vous, c'est votre journée et on vous félicite, on vous remercie. Vous êtes nos mères, vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs. Et on l'avait dit, la femme sénégalaise a joué le rôle extrêmement important. Apparemment, c'est en